Salut à tous, c'est Mathilde. Salut. Qui est là, et Benji. On se retrouve aujourd'hui pour la petite rando des crêtes de Meuse. Petite, 14 km au programme. Et donc on est dans le coin de Monthermé, enfin, on est à Monthermé en fait. Oui. On vient de prendre une petite route de sentier, un petit chemin de terre. Et on va faire tout le tour de Monthermé, je pense, par les crêtes, comme ça est indiqué. Donc on va voir un peu les bons paysages. Voilà. Les points de vue, la roche à 7 heures, les trucs comme ça. On espère faire des belles images. Un petit saut. Quoi? J'ai fait un petit saut. J'ai récupéré ça. Longue roche. Longue roche, oui, c'est ça. C'est quoi ça? C'est, on y passe. Ça grimpe là, ouh la vache. Ouais. Le triple burger d'hier. Les trois cocktails. Et le digestif. Je crois que je suis en train de payer tout ça. J'ai pas pris autant de trucs mais ça grimpe. Ouais, là on est en train de monter 300 mètres. On va aller des warriors, on va y arriver. Ouais, on va dénivelé. Ninja warriors. Ça va aller, ça va aller. On arrive au bout. On se plaint, on arrive au bout. Bah je pense, parce que regarde après c'est plat. Ça va peut-être monter encore un peu après, on ne sait pas, on verra bien. Donc là, on va sortir le drone, je pense, parce qu'on est arrivé au premier point de vue, qui est la longue roche. C'est ça, hein? Ouais, attendez, on va vérifier. C'est marqué en gros, là, de... Ouais, pardon, c'est de la longue roche, pardon. C'est remarquable de Meuse et Semois. Voilà.
Bon, ben là, on repart hein, du point de vue. On va continuer la petite randonnée et puis ça nous amènera peut-être au manger. Voilà, là, on descend, ça va mieux. Là. Pour l'instant, on redescend. On va redescendre un peu, là. Allez, à tout à l'heure. Ça descend, ça descend, ça descend. Alors, petite chose intéressante dans la vallée de la Meuse, là où on se trouve actuellement en fait, c'est qu'il y a plein de légendes qui se trouvent autour de cette contrée, on peut dire ça comme ça. Et parmi elles, il y a la légende des Nutons. Les Nutons, c'est des petits lutins avec des bonnets qui habitent les bois, les cavernes, les grottes, où à chaque fois quand il y a des petites fentes dans les roches comme ça, eh ben. Peut-être que c'est une tanière de Newton, on ne sait pas. Ils se cachent, ils ont la possibilité de te rendre invisible, je crois, d'après les légendes. Et voilà, je voulais raconter ça, quoi, parce que je passais à côté d'une roche à une fois, je dis tiens, une antre de Newton. Voilà. Voilà, c'est ça. Ah, ouais, j'en ai bien grimpé. Vous voyez le parking en bas ? Enfin, je sais pas, est-ce que vous voyez le pont en bas ? C'est à peu près là où on est garé. Ouais, de l'autre côté du pont. C'est là où on a commencé cette randonnée. Donc là, on est monté vachement haut. Donc là, on est sur la roche à 7 heures. Donc autre point de vue de Monthermé, qui est intéressant aussi, mais qui reste à peu près la même chose que la longue roche, c'est ça ? Oui. Donc je vais pas ressortir le drone non plus, surtout qu'il y a des arbres au-dessus. Bon, enfin, ça, enfin, c'est pas qu'il y a des arbres, en fait, c'est que je vous montre un peu le sol. Roche. La roche. Donc je vois pas comment trop le faire décoller, à part dans la main, et je suis pas assez doué pour ça. Un petit sentier entre les habitations. Oh, c'est rigolo. Il y a les lignes écrites juste au-dessus, mais vraiment, j'ai l'impression qu'on tend le bras, qu'on les touche.
Bon. Alors, là, pour vous résumer un peu, on vient de traverser toute la ville de Monthermé. Parce qu'on a, vu tout, on a traversé les crêtes. Donc, ce que vous avez vu en vidéo, quoi. Ensuite, on a coupé la vidéo pour traverser toute la ville. On la redémarre un peu pour l'autre côté, là où on va voir un peu les 4 fils et mous, je pense. Enfin, le côté Bonny-sur-Meuse, quoi. Agréable, t'as le soleil. Ouais. Les feuilles. Un peu de fraîcheur, mais quand on marche, ça réchauffe. Ah ouais, c'est parce qu'on vient de s'arrêter manger aussi. Ouais. Un bon sandwich. Un sandwich. Et nous, on vient de tout là-bas. Donc double aux 4 fils et mon avec Mathilde. Je suis en train de regarder un peu le paysage, le point de vue. Oh. Avec le point de vue de... Qu'est-ce que vous en pensez ? On aurait dû prendre une bière, une petite chouffe là. Ouais. Toc ! C'est vrai. C'est quand même pas mal comme, comme paysage. C'est vrai. On pense jamais aux choses essentielles. Ouais, j'avoue. Moi, je pense à des choses superflues comme emmener ma femme, mais pas la bière. Superflu, mais merci. Je vais vous conter l'histoire des 4 fils Aymon. Tiré de livre Légende ardennaise de Jean-Luc Duvivier de Fortan. Après avoir tué d'un coup d'échiquier Berthollet, le neveu de Charlemagne, Renaud et ses frères Alard, Guichard et Richard sont obligés de fuir devant la fureur de l'empereur. Montés sur le cheval fait Bayard qu'ils ont reçu de leur cousin Baugis l'enchanteur, les 4 frères, devenus hors-la-loi, se réfugient dans la forêt d'Ardenne. Ils y bâtissent le château de Montessor sur un promontoire escarpé de la vallée de la Meuse. Alors le château de Montessor, c'est le château Regnou. Donc qui est en fait là où on se situe, c'est-à-dire là où il y a la statue des 4 fils Aymon avec le cheval fait Bayard. Charlemagne les retrouve et ordonne le siège du château fort. Le castel est pris par trahison et les fils Aymon, avec Bayard, mènent alors une vie errante dans la forêt d'Ardenne. Un jour, ils décident de partir pour le Midi. Arrivés en Gascogne, ils aident le roi Yon de Bordeaux à bouter les Sarrasins hors du pays. En récompense, le roi offre à Renaud la main de sa sœur et nos proscrits construisent au bord de la Dordogne le château de Montauban. Mais une fois de plus, l'empereur les retrouve et les attire dans un traquenard à vos couleurs. Délivrés par Maugis et le bon cheval Bayard, les 4 frères échappent miraculeusement à la mort. Charles ne se décourage pas pour autant et donne l'assaut à Montauban, mais les fils Aymon échappent encore à l'empereur. Réfugiés au château de Trémoigne, nos héros subissent le 3e et dernier siège. Puis de Garlas, la paix est conclue. Bayard est livré à Charlemagne qui le précipite dans la Meuse, une pierre à son cou. Le cheval fait se libère de cette situation et fuit vers la forêt d'Ardenne. Alors il paraît que tous les 21 juin, on peut entendre la nuit le cheval huer dans les bois.
Tandis que ses trois frères recouvrent rangs et biens, Renaud fait un pèlerinage en Terre Sainte. À son retour, il s'engage comme manœuvre à la cathédrale de Cologne, où il meurt assassiné par ses compagnons de travail et reçoit la sépulture d'un saint. Bon ben voilà, on vient de redescendre les 4 fils et bon, ben on va mettre fin à la vidéo ici maintenant, malheureusement. Oui. Parce que en fait il y a de la chasse de l'autre côté et on peut pas continuer. Du coup on va retraverser la ville. Et ça sert à rien de filmer la ville en fait. Voilà. On en fera une prochaine avec l'autre partie de la montagne. Voilà. De la montagne. Oui, c'est une petite montagne, mine de rien. Je pense que cette randonnée-là, on va la refaire un peu au printemps. Oui, il n'y aura plus de chasse. Ça sera plus intéressant, on sera beaucoup plus posé. Je pense qu'on pourra faire des plans un peu plus beaux, on espère. D'autres choses, en tout cas, et puis on aura peut-être un peu plus d'expérience aussi en vidéo pour faire des meilleurs plans, on verra bien. C'est ça. Allez. Allez, hein. Salut.